Nous allons vous conter ce soir l'extraordinaire trajet de vie du grand peintre chinois Zhang Xuhong. Pour célébrer son histoire, Jia Huang, son propre fils, va ce soir la retracer pour vous en direct, laissant couler de ses pinceaux l'émotion, le respect, l'amour qu'il a pour ce père qui lui a tout appris. Et il veut réunir l'art occidental et l'art oriental. Parce que la peinture et l'art chinois sont toujours très étroitement liés, parce qu'ils en sont originaires à la calligraphie, la science du trait, la philosophie qui est derrière, et surtout le respect des grands maîtres. Il balbutie un français approximatif, il passe toutes ses heures de liberté devant les œuvres des musées, à s'émerveiller. Ce livre est écrit par Paul Peillon, fameux archéologiste sinologue français. Il a photographié des grottes peintes découvertes en Chine à Donghuang, au nord du désert de Gobi. La beauté de ces peintures est une révélation pour Zhang Xuhong. Il réalise soudain que sa situation de peintre reconnu en Europe ne lui suffira pas. Il a un devoir plus noble à accomplir, celui de perpétuer le savoir-faire de pays et d'en protéger les traditions et les œuvres. Il rentre dans une sorte d'extase. Oui, il se rendra aux grottes de Donghuang. Il abandonnera tout. Dès lors, c'est un des buts de son existence. Et on a su, par des écrits trouvés avec cette musique, qu'un prêtre avait soustrait aux oreilles des humains, aux yeux des humains, cette musique, pensant qu'elle était de nature divine,
qu'elle était trop belle pour que nous puissions tous l'entendre et en disposer à notre guise. Eh bien, je pense qu'on a peut-être là la réponse de l'emmurement des grottes, de cette grotte 16 de Mogao. Peut-être était-ce pour la soustraire aux humains, en tout cas probablement aux pillards. Et cette page de Vivaldi, nous pourrions l'entendre. La révolution culturelle. Il veut purger le parti et limiter les pouvoirs des bureaucrates. Le volet culturel de cette révolution veut éradiquer les valeurs traditionnelles et les intellectuels sont publiquement bafoués, les mandarins et les élites humiliés. C'est ainsi que des milliers de sculptures et de temples